avez entendu parler du déficit public? Non, bah, nous non plus on ne connaissait pas, et puis soudain ça nous est apparu, 77 milliards d'euros qui ont disparu des caisses de l'État. Il est où le Mano là? Je ne sais rien moi d'où qu'il est. Il est où le Grisby? Ça c'est pas les ménages présidents de la République. Il faut les demander, oui, il faut les demander à Macron. C'est un ancien banquier. Ah, peut-être que lui sait où c'est. Ah bah, bien sûr. Où sont passés les 77 milliards d'euros de déficit public? Bah alors on se demande où sont passés ces 77 milliards d'euros. Vous avez une idée? C'est pas chez moi. Dans leur poche. Dans la poche de qui? Bah, attendez, des politiciens. Ah ouais, les gens allaient le demander aussi aux footballeurs. Ils ont vu. Ils tapent dans un ballon, ils gagnent 30 000 euros. Et je dis, nous, on travaille toute l'année, on n'arrive même pas à faire ce qu'ils font en un mois de temps. Ou alors tous ceux qui cumulent des mandats, ou tous les corrompus, ou les évadés fiscaux, ou les détournements de tous ces grands patrons qui. Hein? Ouais. Donc en gros, bah, si tu vas manger chez McDo, en voulant dépenser ton argent, ça sert à rien parce que tu vas quand même agrandir l'évasion fiscale, enfin, parce qu'ils en profitent. On le saura jamais. On le saura pas. Et même ceux qui le savent, de toute façon, ils font tout pour le faire taire. Mmh. Ou ils s'arrangent entre eux pour dire « t'inquiète pas, on va s'arranger. Viens manger à la maison. » Chez votre voisin? Non plus. Mais non, le voisin de palier, non. Non, mon voisin de palier, non, c'est pas possible. Nous, on en a capté une petite partie. Pour faire une petite fête entre amis, voilà, c'est pas un petit mort entre amis, hein. C'est une petite fête entre amis. On a décidé de fêter les carrés potagers de la République. Alors, République, nous voilà. On recherche les 77 milliards d'euros de déficit public. Ouais, ils sont pas dans ma poche. Ouais. Ah bon? Ah, et non, mais là, parce que là, vous étiez en train de creuser un truc, non, c'est pas... C'est pas caché là. Non, on change de poteau. C'est où leur compte qu'ils mettent là où, ah ouais. Où ils payent pas d'impôts, où ils ont rien là. Ouais. Comme l'autre gros sac de machin qui est parti là, Depardieu. Mais lui, je vais aller le voir aussi, de part de Madame Payet. Il part dans les pays où ils déclarent pas d'impôts, comme ça ils payent rien à la France. Ce qu'on dit, c'est la vérité. De toute façon, tous ceux qui ont de l'argent, ils déclarent pas ici leur argent, ils déclarent dans les pays où ils payent rien. Vous savez qu'en matière de financement public, c'est la bérésina. Il n'y a plus rien dans les caisses. Ils ont tout vendu. Vous voulez dire pourquoi? L'argenterie. Ils l'ont vendu. Les autoroutes, c'est foutu. Je vois qu'il y a des familles qui ont 5-6 gosses qui vivent avec 1000 euros. Et qu'on leur dit corps, bah oui, mais arrivé le 15, ces pauvres gens n'ont plus d'argent pour manger. Il arrive un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et vous pensez pas que les premiers responsables du fait qu'il n'y ait plus d'argent... C'est l'État. C'est l'État ou c'est ceux qui veulent pas payer leurs impôts? Non, c'est l'État. Bon, après, ceux qui veulent pas payer leurs impôts, c'est malheureux de dire ça. Mais tous les petits salariés les payent leurs impôts. Ouais, allez, a priori, c'est plutôt les classes favorisées. Voilà, aller chez les où ils ont les fortunes, ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, leur fortune n'est pas en France. Hein. Là où il y a de l'argent, il y a des trous. On a pris une modeste partie. On a pris 150 millions d'euros. Bon, c'est peu à l'échelle des milliards que vous recherchez qui ont été détournés, soit dit en passant, par les politiques et par les hommes d'entreprise, c'est-à-dire par le MEDEF. Nous ne l'aurons pas. Moi, je dis, tu t'es né là, tu fais ça là, ben c'est, tu payes là. C'est des gens qui sont à millions, ils ont des milliards sur leur compte, mais ils payent rien en France. Donc c'est pas eux qu'on devrait aller taxer plutôt là, parce que c'est eux qui font qu'il y a de la pauvreté en France, plutôt que l'État. L'État, il subit ça. Vous allez m'en donner la moitié? Bah alors, je vais vous le ramener. Spécialement la je vais vous le ramener ici. Il n'y a pas de problème, je le ramène ici. Mais ma question, c'est... Qu'est-ce que vous allez en faire? J'irai en cramer une bonne partie au PMU. Et le reste, je le jette par les fenêtres. Cet argent doit profiter d'abord au quartier. Elle doit profiter d'abord aux habitants. Arrêtons de faire de la rénovation. Quoi bon, si vous voulez, à quoi bon avoir des beaux appartements, des belles peintures extérieures si les gens n'ont pas à manger? Je préfère les laisser ici. Bonjour. Et puis aider tous les gens qui sont malheureux ici à la République. Vous pouvez les utiliser que pour faire des choses collectives. On n'a pas le droit de les utiliser pour soi. La culture. La culture? Ça veut dire quoi ça? Bah, par exemple, ici, on a la culture gratuite. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour améliorer la vie quotidienne? Non. Non, parce que quand tu me demandes, je reviens à la question que tu me posais un mois tout à l'heure. Ouais. Tu me dis, si demain tu les retrouves, qu'est-ce que tu vas en faire de l'argent? Je dis, je vais le jeter par les fenêtres. Ouais, mais tout le monde n'est pas pareil, grand. Hein, on vit dans une société de consommation.
On vit dans une société de consommation où plus t'en as, plus t'en veux. J'aide déjà toutes les personnes âgées qui sont dans la misère, qui sont obligées d'aller, quand tu vois qu'ils ont travaillé toute leur vie et qu'ils sont obligés d'aller au resto du cœur à l'heure d'aujourd'hui. Qu'avant ça se faisait. Ah bah moi je vois bien ma grand-mère, elle y va. L'éducation. L'éducation, ouais, l'éducation, ça doit être une priorité. Ça, c'est pas la peine de le garder pour moi, de toute façon je serais pas plus riche en mourant. Hein. Bon alors moi je mets combien de milliards pour l'éducation Tout pour l'éducation. Finalement on parle toujours de besoins. Peut-être qu'on pourrait parler aussi de désir. Oui. Et peut-être que donner de l'argent à des gens pour faire des trucs, ce serait déjà une belle chose. Qu'on donne la possibilité à des gens d'avoir des initiatives qui vont pas forcément dans le sens de ce que voudrait tel ou tel pouvoir. Parce qu'ici on a beaucoup de choses qui sont commencées mais qui sont pas finies malheureusement. C'est-à-dire qu'on a... c'est bien joué ça. C'est vrai, hein. Ils ont essayé de nous faire des terrains de pétanque, des terrains de foot, des machins qui sont pas finis, absolument pas. On a encore des câbles électriques qui sortent de la terre sans poteau par-dessus. Donc ouais, il y aurait beaucoup de choses à faire dans le quartier. Mais que les gens soient eux-mêmes les moteurs, ce serait vraiment intéressant. Voilà, qu'on arrête de penser pour eux. Parce qu'eux, ils ont des cerveaux, ils sont adultes, ils sont vaccinés. Et je pense qu'ils peuvent imaginer leur avenir. Voilà. Donc 3 milliards, c'est pour les aider dans leur démarche.